la simplicité, la pauvreté, l'amour du prochain, le rejet de ces splendeurs qui nous rendent aveugles. Cet homme entraînera peut-être beaucoup de chrétiens, des foules immenses qui reprendront sa parole, feront naître entre nous la dissension, le chaos, peut-être même la guerre, terrible guerre qu'un fratricide aux innombrables victimes, mortes toutes persuadées de défendre Dieu, la vraie parole de Dieu, guerre sans fin, sans limite. Elle épuisera tous les chrétiens, fera peut-être disparaître l'espérance.